transcendance, le 6 août 2017. Sur mon chemin de vie, je dessine mes envies, leur donne vie à travers mes hobbies et dans mon grain de folie. Dans mon existence, tout est encore très dense, même dans l'opulence de cet amour immense, demeure ma violence, mon insolence, mon insouciance, mon omniscience, ma pertinence, dans l'absolu mon innocence, mon insistance concernant cette absence, d'ailleurs aujourd'hui cette latence n'est autre que ma propre pénitence, même pesante est devenue ma claire sentence, une si belle chance, devenue à ce jour errance et terrestre souffrance. Alors de vertu en vertu, j'apprends aujourd'hui la patience. Dans mon austère monastère intérieur, je meurs en silence. J'essaye de maîtriser la tempérance, même si présentement cela n'enchante guère mes véritables sens, ni même ma réelle essence. Pour moi, même la science, ici et maintenant, n'a plus réellement de sens. Et la religion, une illusion qui manque cruellement de terrestre passion. J'ai mal à l'âme, mais je m'acharne, têtu comme un âne, à comprendre ce drame, cette perte de ma flamme, à sécher mes larmes, à tuer en moi ce mal, malgré nos erreurs, à grandir notre âme. Hashtag dans les profonds... Dans le plus profond de mon cœur, infiniment tu demeures. Hashtag apprendre le détachement dans la solitude de mon cheminement pour transcender cet enfermement, cet emprisonnement et vivre cette vie pleinement, honnêtement, consciemment et te rejoindre dans le firmament au propice moment. Le 6 août 2017. Je ne sais pas si je la refais ou pas. Salut!